Depuis toute petite, la nourriture et moi formons un couple. Je me rappelle des nombreuses fois où ma grand-mère, après m'avoir servi mon repas, m'interdisait de prendre la part qui lui était réservée. Bien évidemment. Malgré ces interdictions, têtue que je suis, je ne pouvais m'empêcher de prendre sa part. Pourquoi? Parce que j'étais assez gourmande. Voulez-vous connaître l'astuce par laquelle elle a réussi à m'empêcher de prendre son repas? Tenez-vous prêts. Elle crachait littéralement dans son assiette. Ça choque, n'est-ce pas? Et bien, depuis lors, j'ai appris à me discipliner et à manger dans mon assiette. Après l'obtention de mon bac, j'ai fait des études en pharmacie. Une année plus tard, j'ai été remerciée. Pourquoi? Parce que je n'avais pas validé les matières au cours de l'année et j'avais obtenu une ferme noire. J'ai donc dit au revoir, merci. Je vais donc m'orienter dans ce que j'affectionnais le plus, qui était la restauration. Croyez-moi, ce n'était pas facile parce que les parents désiraient que je sois docteur. J'avoue que je partageais ce rêve en son temps. J'ai donc fait des études professionnelles dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai fait un BTS où je suis sortie première juvénile dans la filière en 2014. Ensuite, j'ai poursuivi en faisant une licence, cette fois-ci en tourisme hôtellerie. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je vais prendre l'exemple de la farine de blé. Selon le professeur Stefan Liedbeck, l'homme ne consommait pas de céréales, mais se contentait de chasse, de cueillette, de fruits et de racines, entre autres. Des chercheurs américains en contradiction avec ce professeur avançaient l'idée que l'homme en consommait. D'autres chercheurs, d'il y a 30 000 ans environ, dans certains lieux d'Europe, ont plutôt démontré que certains hommes transformaient des végétaux et en produisaient à l'occasion de la farine. Vous serez donc d'accord avec moi que les caractéristiques de l'alimentation préhistorique résident donc dans une quasi-absence de la consommation de céréales. Ce n'est qu'à partir de la naissance de l'agriculture que les premiers blés ancestraux furent cultivés et consommés par l'homme. Ce blé était appelé le petit épeautre et qui contenait une faible teneur en gluten, environ 7%. Et ce blé ne permettait pas de fabriquer du pain ou encore des pâtes. Ce n'est qu'à partir du XXe siècle, et ceci par des procédures de modification de génome et de croisement, que nous sommes arrivés à obtenir les blés que nous consommons aujourd'hui. Ce blé avait une forte teneur en gluten. On peut donc s'apercevoir que malgré le fait que la céréale soit un produit de la terre, censé être naturel, c'est en réalité un produit qui a été transformé et modifié par l'homme. Dès lors, c'est devenu nocif pour l'homme. D'aucuns ont développé des allergies et des intolérances au gluten. Le gluten, c'est quoi? Le gluten, c'est une protéine qui est contenue dans tout ce qui est céréales, ou je dirais plutôt dans certaines céréales, notamment le blé.
Ce gluten apparaît généralement lors de, du pétrissage et de l'hydratation de la farine. Pour être plus explicite, lorsque vous prenez la mie de pain et que vous l'écrasez entre vos doigts, c'est le gluten qui donne cette élasticité à la mie. Alors, je me demandais ou je me posais des questions. Comment faire pour arriver à offrir une autre forme de pâtisserie? J'ai fait des formations telles le Women Wheel et le Google Digital Keys. Des formations organisées ou initiées par Google dans le but de renforcer les capacités des femmes dans le domaine du digital et de l'entrepreneuriat. De par mon assiduité à ces formations, j'ai obtenu ou j'ai gagné un makeover total offert par Vanessa Mbabara. Dès lors, elle devient mon mentor. Les séances de travail avec elle m'ont conduit à un carrefour de ma vie où je me suis demandé, où je me suis posé un certain nombre de questions. Comment offrir une pâtisserie qui soit unique et différente de celle qui existe déjà sur le marché ici à Cotonou? Quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés? Et mieux encore, les problèmes auxquels j'étais particulièrement confrontée. À un moment donné de ma vie, j'ai adopté une mauvaise habitude alimentaire. Je consommais toutes sortes de pâtisseries, de sucreries, qui ont favorisé, bien sûr, l'augmentation de mon poids. Alors, comment donc continuer à prendre cette douceur? Il fallait donc trouver la formule magique, la formule idéale. Ainsi, je réalise donc, ou je trouve la formule magique, comme je l'ai dit. Je fais une forme de pâtisserie qui soit moins calorique que la traditionnelle. Et mieux encore, qui soit diététique, qui puisse être diététique de par l'association de certains ingrédients. Croyez-moi, faire de telles pâtisseries n'est pas évident. Ça demande la patience. Et j'avoue que j'apprends encore. Ça demande du travail pour sélectionner et mixer les meilleures farines sans gluten. Maîtriser le dosage des ingrédients et bien sûr l'association des saveurs. On peut donc dire que malgré tout, je suis restée pharmacienne, n'est-ce pas? Alors, je suis Maëlle Takako, chef pâtissière, spécialisée dans la pâtisserie sans gluten. Je me permets de mettre ma toque. Alors, spécialisée dans la pâtisserie sans gluten, sans blé et sans sucre raffiné, en utilisant bien sûr du sucre brut de canne, qui est un sucre 100% naturel, qui n'a subi aucune transformation. Premier résultat obtenu après extraction du jus de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. Auparavant, le chef cuisinier restait caché dans sa cuisine en compagnie de ses casseroles et inhalant toutes sortes de fumées. Mais aujourd'hui,
le monde a progressé. Les habitudes ont changé. Les technologies ont évolué. Et une nouvelle ère est apparue. Les chefs sont aujourd'hui de l'ombre pour révolutionner la planète. Cette planète du monde, dont les habitants qui sont vous et moi, devenons de plus en plus exigeants en matière de goût, de texture, de saveur et de qualité du produit. Cette forme de pâtisserie est très développée aux États-Unis ou encore en Europe. Mais c'est avec une grande fierté que je peux dire qu'au Bénin, nous pouvons consommer de la pâtisserie sans gluten. Nous pouvons prendre des croissants, des viennoiseries, des pizzas qui sont faites sans blé et aussi du pain fait à base de farine de manioc, de plantain ou encore de patates douces. Alors, vive la révolution culinaire au Bénin et vive la pâtisserie sans gluten. Je vous remercie.